Maeva, Marie Fèvre, est chamboulée après tromper Robin, Luca Ivula, avec Tom, Matteo Pettel. Elle ment à tout son entourage. Thaïs, Lila Guéraud, remarque que son amie n'est pas tout à fait dans son état habituel et s'en inquiète. Maeva finit par lui dire la vérité et reconnaît s'être mise dans un sacré pétrin. Pour ses amis, Tom aussi paraît bizarre ces derniers temps. Devant le lycée, il approche Maeva espérant officialiser leur histoire mais la jeune fille se montre froide et lui explique qu'elle aime autant Robin que lui. Si est-il d'ailleurs avec son amoureuse officielle qu'elle visite une expo. Robin lui propose de finir la soirée ensemble. Elle esquive, mal à l'aise. Une fiancée en plein doute Estelle, Alexia de Grémont, reçoit un paquet contenant une somptueuse robe envoyée par Guillaume, Manuel Blanc, pour leur fiançailles. Elle lui téléphone et le remercie, gênée. Plus tard, elle reçoit un appel d'Hakim, Aïssam Medem, qui tient à lui présenter ses excuses pour leur échange de la veille et lui souhaite d'être heureuse. À son tour, elle reconnaît ne pas avoir été très aimable et tous les deux achèvent leur conversation sur une note apaisée. Estelle se perd dans ses pensées. En essayant sa robe en présence de Karine, Alika Del Sol, elle se met à douter sérieusement de son choix. Margot expose son dilemme à sa sœur, soit elle part à Los Angeles et elle perd Hakim définitivement, soit elle le suit et elle passe à côté d'une opportunité unique. Cette mise sous tension ne lui donne pas le cœur à se rendre aux fiançailles de Guillaume et Estelle. En revanche, Elisabeth, Christelle Labaude, a changé d'avis et débarque au Sauvage, accompagnée d'Alain, Frédéric Van Den Brieche. Elle y retrouve Claudine, Catherine Wilkening, qui lui apprend que Guillaume n'a prévu aucun contrat de mariage. Incapable de résister, elle s'approche d'Estelle pour la féliciter mais cherche surtout à la provoquer en la faisant passer pour une femme vénale. Estelle quitte la réception, et fond en larmes. Just me.